Mesdames et messieurs, bonjour tout le monde. Merci d'avoir été flexible de pouvoir participer à la réunion d'aujourd'hui. J'espère qu'on pourra ainsi exprimer la solidarité par rapport à tout le monde qui ressent maintenant les conséquences de la pandémie. Je suis ravie que parmi nous, il y a les représentants de notre panel qui sera divisé en quatre parties. D'abord, l'introduction, la coopération numérique avec la participation du sous-secrétaire général et ensuite le panel de haut niveau. Ensuite, la partie suivante avec la participation des experts avant de passer à la dernière partie de la réunion. Sans tarder, je voudrais donner la parole à Son Excellence conseiller du secrétaire de l'ONU, Fabrizio Rothschild. Bonjour, mesdames et messieurs. Eh bien, je vois beaucoup de visages que je connais. J'en suis vraiment ravie. Je suis ravie que nous étions en bonne santé, que nous pouvons être en contact avec nos proches. Je suis ravie que nous pouvons nous rencontrer lors de cette session sur la coopération numérique. C'est un grand plaisir de pouvoir passer cette réunion avec vous. Beaucoup d'entre vous ont eu un apport très significatif dans la création de la feuille de route sur la coopération numérique qui a été introduite en juin. Les réactions que nous avons entendues et vues après l'introduction de cette feuille de route ont été très positives, ce qui signifie que ce que nous introduisons en tant que processus pour les parties intéressées montre seulement les conséquences des activités que nous avions déjà réalisées dans nos groupes et régions. Je suis vraiment encouragée par le fait qu'en septembre, les pays membres ont reconnu de façon formelle la coopération numérique conformément à l'article. Et ça a été voté à l'occasion de l'anniversaire de l'ONU. Cet article se réfère à l'ONU en tant qu'une plateforme globale gérant la coopération dans le cadre des technologies. Tout ceci pour atteindre un développement durable. Eh bien, nous savons que c'est un grand défi et qu'il faut vraiment combler l'écart numérique, assurer un accès en ligne qui doit être plus sûr, plus utile, mais en même temps en respectant les droits de l'homme. Mais ce qui n'est pas tout à fait clair, comment le faire? Beaucoup d'efforts ont déjà été entrepris, ils sont vraiment d'une grande valeur, mais ce n'est pas toujours bien coordonné. Un bon exemple de cela, ce sont de nombreux efforts faits pour appliquer l'Internet de façon plus inclusive, surtout aux femmes, aux jeunes femmes. Même si de grands efforts ont été faits dans le domaine, les statistiques nous montrent que nous n'avons pas pris le bon chemin et en ce qui concerne l'accès à l'Internet, ce fossé concernant le genre devient de plus en plus profond. Quelles que soient nos activités, il faut le faire toujours avec la participation de toutes les parties prenantes. Même si on peut avoir des opinions très fermes, cette approche multilatérale est vraiment nécessaire. L'IGF est une plateforme fantastique pour le faire. Lors de cette semaine, lors des sessions que nous avons jusqu'à maintenant organisées, nous pouvons voir quels sujets très intéressants ont été déjà abordés. Donc, nous sommes ici à cette session avec la participation de plusieurs parties prenantes. Nous allons maintenant nous référer aux recommandations concernant la coopération globale dans le cadre des technologies numériques. À part les sessions IGF sur, par exemple, la cybersécurité et les connexions numériques, maintenant, nous allons nous pencher sur comment renforcer l'IGF qui devrait changer en IGF plus. Beaucoup d'entre vous ont une contribution considérable dans la création des documents qui ont été créés, notamment
notamment par les Émirats arabes et l'Allemagne. Beaucoup d'entre vous ont travaillé sur la stratégie de renforcement et ont contribué à la préparation de documents contenant des analyses et des suggestions. Lors de cette session, nous allons parler des questions clés politiques qui sont apparues lors de cette situation liée au COVID, c'est-à-dire l'inclusion, la coopération, renforcer l'engagement à haut niveau, la communication et les finances. Tous ces éléments seront très importants pour garantir à l'IGF, l'IGF+, l'impact sur l'augmentation de la coopération numérique. Nous sommes vraiment heureux que nous avons parmi nous des experts de haut niveau. Je voudrais d'abord aborder le sujet de coopération accélérée. Maintenant, Son Altesse Omar Sultan Olana, le ministre de l'État, responsable de l'intelligence artificielle, du gouvernement numérique et du travail à distance des Émirats arabes. Excellence, comment voyez-vous la coopération de toutes les parties intéressées dans le cadre de tout ce processus et quel serait notre rôle dans ce processus? Oui, merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi de parler avec vous aujourd'hui. Il est vrai que nous nous rencontrons maintenant grâce à des moyens numériques parce que nous provenons de différentes zones géographiques. La question qui a été posée est très importante, mais je voudrais tout de même y répondre de la meilleure manière possible. Eh bien, nous voudrions que le changement soit évident. Toutefois, l'on est souvent dérouté par des problèmes, des perturbations. Nous réalisons toutefois des mesures concrètes qui nous permettent de faire des pas en avant, utiliser des plateformes numériques. Il faut donc garantir que en prenant ce chemin est décrit dans la feuille de route qu'on tiendra compte de tous les groupes concernés. Nous avons affaire à des objectifs très ambitieux qui peuvent paraître peut-être un peu abstraits. Ça a un impact sur le dynamisme de notre comportement. Il y a des entreprises ou des sociétés ou des citoyens individuels qui sont moins motivés à cause de cela. Mais il faut toujours tenir compte de cette vision magnifique commune. Il y a la possibilité, bien sûr, d'encourager peut-être chacune des parties prenantes pour, par exemple, que l'on utilise mieux les plateformes numériques et le réseautage. Ce qui est très important, c'est aussi de garantir à ce que ces objectifs soient des objectifs importants pour plusieurs générations. Parfois, on a tendance à passer outre certaines générations. Et toutes les activités, par exemple, liées au changement du climat, eh bien, comme c'est un sujet qui touche les représentants de toutes les générations, les jeunes doivent être y impliquer de la même manière que les personnes plus âgées. Nous sommes ici en train d'observer toute une explosion d'activisme environnemental. Et ça peut être utilisé comme méthode aussi dans d'autres domaines de notre vie. J'espère que l'on pourra utiliser la nouvelle technologie, la nouvelle architecture de cette nouvelle technologie pour bien exploiter notre feuille de route. Merci, Excellence. Les arguments que vous avez présentés sur l'obtention de ces objectifs, qu'ils soient réels, réalistes, non pas trop ambitieux, pas abstraits, ça c'est la chose qui est très importante. Et deuxièmement, c'est-à-dire d'adopter une approche multigénérationnelle pour ne pas exclure certaines générations. Ce sont deux arguments que l'on voudrait réaliser. Maintenant, je voudrais m'adresser à Son Excellence David Tseng, ministre de l'Éducation au Sierra Leone. Il va nous parler de l'inclusion et de participation large. Monsieur le ministre, vous êtes conscient de cette fracture numérique et en même temps, nous savons que dans la plupart des pays du monde, et l'on parle ici de l'accès allant de 80 à 92% du pays, mais dans certains pays, l'accès à l'Internet est moins de 20%. Comment donc juste améliorer la représentativité de certains pays dans cette révolution numérique? Merci, monsieur. Merci, chères excellences,
représentants de ce panel. Je pense qu'on peut y répondre de deux manières. Premièrement, je parle du niveau de Sierra Leone. Eh bien, il est vrai qu'il faut utiliser les possibilités qui se présentent maintenant au Sierra Leone, par exemple, l'accès à l'Internet ou l'utilisation de l'Internet sont au niveau de à peu près 20 %. Dans certains endroits, ce n'est à peine 20 %. 80 %, c'est la connexion au réseau de téléphonie mobile. Il y a aussi certaines situations où l'on passe de 0 jusqu'à 5G ou 4G. Personne ne construit 1G, 2G, 3G. Ça veut dire qu'il y a des communautés nombreuses, des milliers de personnes qui n'avaient jamais été connectées à quoi que ce soit auparavant. Et maintenant, ils ont la possibilité d'utiliser l'Internet à haut débit. Donc, nous avons vu que ça se passe, nous en sommes conscients. Donc, on peut avoir maintenant affaire à cette inclusion. Ça veut dire qu'il y ait de l'égalité des chances, c'est-à-dire inclure les gens qui ont été un peu délaissés par la stratégie, les inclure dans le processus. Nous avons Mobile First, cette stratégie nationale pour les systèmes mobiles et hybrides. L'approche mobile nous dit comment construire les applications lorsque chacun a l'accès à son téléphone. Le smartphone, c'est l'outil qui est bon marché, qui malheureusement, on n'entend pas le relais. Malheureusement, pas de relais. Malheureusement. Donc, nous pouvons l'appliquer aussi dans le domaine de l'éducation. Lorsque nous adoptons Mobile First en tant que solution, nous savons comment utiliser les données, comment le faire à l'aide de communicateurs de tout genre, et ça nous permet de se connecter. Nous savons que nous devons construire des solutions online, offline. Il y a beaucoup de solutions fournies par l'Internet, ce qui signifie que les solutions sont introduites grâce à l'innovation tout de suite. Par exemple, chacun utilise maintenant l'USSD et ça ne génère pas beaucoup de coûts. Donc, il s'agit donc du fait que les solutions numériques sont des solutions de type de bien public. L'une des solutions concerne aussi le registre des biens numériques, ce qui signifie l'engagement de différents représentants. Il y a des solutions mobiles et hybrides ou les technologies mobiles qui peuvent sembler être exclusives. En fait, elles ont une grande chance parce qu'on peut, grâce à celles-ci, inclure des gens qui, pour la première fois, ont accès à ce genre de service. Et pour nous, ce qui est le plus important, c'est l'accès aux services. Lorsqu'on parle de l'accès à Internet, ça nous permet de donner cet accès, ce genre d'outil-là. Merci beaucoup. Je pense que si l'on approche à s'approche de cette solution très innovante et on l'applique, je pense que c'est quelque chose qui peut nous permettre de tirer des leçons très enrichissantes. Maintenant, passons à Lisa Four, qui est directrice générale de l'association Ethno, association des opérateurs des télécoms. Je voudrais maintenant continuer sur la coopération accélérée. Vous avez parlé d'un modèle électronique. Quel serait le modèle électronique appliqué qui aurait la chance de développer la coopération multilatérale? Je pense qu'il y a beaucoup de méthodes grâce auxquelles on peut construire des cadres de coopération multilatérale. Mais je pense qu'un argument très important est lié au fait qu'il faut que le débat se fasse à un niveau différent qui serait ensuite qui pourrait ensuite être traduit vers la pratique. Il faut donc inclure dans ce processus toutes les parties prenantes. Maintenant déjà, nous engageons dans ce processus tous les acteurs concernés et ça constitue déjà un bon cadre. Ici, nous appliquons
un modèle où il y a plus qu'une entité. La plus belle chose, c'est une initiative d'en bas qui inclut tout le monde. Mais ce qui est le plus important est que maintenant, il faut combler ces lacunes. Il faut que nos parties intéressées soient actives, non seulement impliquées, mais actives, et s'assurer que chaque voix soit entendue. Parfois, il peut y avoir de grandes entreprises qui peuvent parler d'une voix plus forte que les autres, mais il faut aussi savoir que chaque voix compte dans ce débat et doit être entendue. Par contre, nous avons aussi affaire à un engagement très important de la part des institutions parce que déjà maintenant, nous voyons une augmentation de la participation de la part des parlementaires. Mais il faut créer encore plus d'engagement de la part des parlements dans le monde entier. Je pense qu'il est très important de, par exemple, lorsqu'on fait un débat sur l'IGF, après avoir fait des débats au niveau global, qu'on retourne à nos pays pour le faire au niveau national. Il faut aussi organiser des forums de gouvernance de l'Internet au niveau régional et national dans le monde entier. Ça nous donne des outils qui nous permettront de répandre de ce débat dans le monde entier. Mais aussi, bien sûr, il faut parler des solutions qui sont possibles à appliquer. Alors, d'où la nécessité d'avoir une voix commune européenne, parler de valeurs communes, ça nous permettra justement de réaliser cela au niveau mondial, donner la voix aux institutions européennes. Quelles sont les solutions à appliquer? Comment peut-on les appliquer? Aetna est une organisation qui représente plusieurs organisations en Europe. Lorsque je pense à cette question, je me demande moi-même pourquoi en tant que nous, en tant qu'Aetna, nous participons chaque année à l'IGF et comment Aetna établit-il ses priorités d'organisation? Eh bien, c'est pour cela que nous le faisons. Nous le faisons pour participer pleinement au débat, à l'échange d'opinions entre les parties prenantes différentes, entre groupes différents, pour que tout le monde ait sa part dans tout cela. Je pense que l'IGF fonctionne très bien en tant que laboratoire de débat, d'échange de bonnes pratiques et des expériences techniques de développement d'initiatives, ce qui donne plus d'importance à nos groupes intéressés. Je pense que l'IGF est une très bonne institution. C'est ici qu'a lieu le dialogue, c'est ici que sont réalisées les solutions possibles à être appliquées. Donc, comme ça a été déjà dit cette année, ça peut être en salle ou en salle virtuelle. Merci. 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 Je comprends ce point qui concerne finalement les actions inclusives qui normalement doivent viser à ce que certaines voix soient entendues et pour qu'une certaine importance leur soit affectée. À mon avis, ça, c'est très important. Maintenant, je voudrais continuer le même sujet. Je donne la parole à Joseph Hall, qui est le vice-président de la société Strong Internet dans le cadre de ISOC et qui s'engage activement à l'élaboration de la feuille de route. Joseph, comment on peut faire pour que cela soit mieux connecté à d'autres processus. Comment faire? Merci. Merci, c'est un grand honneur d'être un membre de ce panel pour combler la fracture entre la discussion et les solutions possibles à mettre en place. Il faut avoir la certitude que nous avons la même compréhension de ce que c'est l'Internet. Il paraît que c'est évident, mais l'Internet est un système très complexe. Au moins la moitié de la planète l'utilise, mais tout comme tous les autres écosystèmes, bon, il faut savoir qu'est-ce qui en fait un univers tellement précieux. Nous devons aussi maintenir en toute conscience ces éléments clés, tout en pensant aux caractéristiques législatives, régulatrices concernant son fonctionnement. Une petite analogie,
Donc, la sylviculture, ce qui a été utilisé en Allemagne au 19e siècle, où on plantait les arbres à la ligne en remplaçant les forêts très variées, très diverses. Donc, il paraissait au début que c'était très bon, c'est très efficace d'avoir ce bois qui était un peu mathématique, n'est-ce pas? Mais finalement, 100 ans plus tard, il s'est avéré que les arbres n'étaient pas puissants, que c'était vraiment beaucoup plus pauvre et finalement que ce système naturel et très complexe était beaucoup plus, avait beaucoup plus de valeur. Donc, c'est un peu, voilà, comme c'est un. Forêt vierge, cette forêt qui est vraiment très très riche, c'est la même chose. Ici, c'est un grand réseau et sa valeur réside dans les interdépendances des différents éléments avec les protocoles qui assurent les liens. Ce n'est pas centralisé, ce n'est pas gouverné de façon centrale. Et cela se fait au niveau plutôt local et non pas au niveau central. Donc chacun peut entrer sur Internet. La valeur est pour tout le monde. Donc ce n'est pas uniquement la question d'une technologie, mais aussi la question de savoir utiliser ce service. La question est de savoir comment nous créons nos réseaux. Nous devons comprendre ce que c'est l'Internet et comment respecter son ADN si nous voulons y introduire des changements. Donc, à mon avis, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Merci. Merci, Joseph. Je pense que maintenir ce caractère décentralisé, cette variété, ça, c'est très important, un point vraiment crucial de ton intervention, hein, et un point peut-être pas très important, mais je voudrais le partager avec vous, c'est que moi, je suis sylviculteur, hein, par métier. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai passé une partie de ma vie en travaillant dans ce métier, donc cette analogie m'a beaucoup plu. Mais quand même, pour être juste à l'égard des sylviculteurs allemands d'aujourd'hui, ils ne font plus cette monoculture, ils font aujourd'hui des forêts qui sont vraiment variées en termes d'espèces. J'ai beaucoup aimé cette analogie, je vais l'utiliser maintenant. Il me semble que tout comme les sylviculteurs, nous devons penser non seulement aux avantages, aux bénéfices économiques ou à l'influence sociale ou politique, mais la forêt, c'est quelque chose qui commence à avoir des profits 80 ou 100 ans après. Donc, cette question du patrimoine de l'Internet, c'est quelque chose qui mérite plus d'attention. Mais bon, je ne veux pas poursuivre ce sujet, bien sûr. Maintenant, je voudrais passer à Olga Cavalli, qui est directrice South School of Internet Governance. Donc, je voudrais parler de cette inclusion à nouveau, de la participation, comment nous pouvons donc améliorer la participation significative de l'environnement du milieu académique dans cette coopération globale, notamment dans quelle mesure cela est possible pour les pays en voie de développement. Merci, merci Fabrizio. Je voudrais donc féliciter le personnel de FGI d'avoir organisé cette rencontre. Je sais combien cela est difficile de passer de ce rencontre traditionnelle face à face aux rencontres virtuelles, mais il me semble que ça se passe très très bien. Je me réjouis de voir que ces rencontres soient tellement espacées. Cela me permet de participer à un nombre assez important de ces rencontres. Je me réjouis, je salue vraiment votre travail. Donc, comment nous pouvons faire pour que tout cela puisse se réaliser? Nous, au sein de FGI, nous savons qu'en Amérique latine, nous avons besoin d'un leadership plus fort, plus puissant. Nous savons que les leaders qui participent à FGI n'étaient pas très nombreux. Nous avons donc commencé à faire une académie, une école qui est conçue comme un espace multidisciplinaire. Par exemple, les personnes qui sont juristes peuvent apprendre plus sur les régulations ou sur la vie privée, sur la confidentialité. Mais toujours quand même, il y a une certaine lacune entre les académies, entre les écoles. Et ça dépend de nous comment nous allons combler ce fossé. Moi, je travaille à Buenos Aires, à l'université. C'est une très grande université, l'une des plus grandes en Amérique du Sud.
Et je suis la seule qui suit ce qui se passe sur le FGI. Je parle avec mes étudiants, je parle avec d'autres personnes. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'engager après les échanges avec moi lorsqu'ils commencent à comprendre ce que c'est. Mais il me semble que cette lacune, cette fracture existe toujours, notamment dans les pays en voie de développement. Donc, qu'on pourrait bien sûr faire davantage. On pourrait faire des partenariats avec les universités, créer des hubs. Je sais que ces hubs, ces centres existent déjà, mais ils devraient être beaucoup plus nombreux. Et on devrait s'engager davantage. Notamment, je parle ici des universités dans le pays en voie de développement. Et comme je l'ai déjà dit, nous croyons que le leadership puissant est vraiment important pour pouvoir atteindre les objectifs nécessaires pour le développement qui sont apportés par la technologie. Donc, nous devons faire plus pour que pour que ça puisse prendre corps. Merci, Olga. Oui, bien sûr, nous devons donc être conscients de cette fracture, de ce fossé. Merci pour tout ce que toi, tu fais pour essayer de la combler. Maintenant, Miranda Sissons qui représente Facebook. Donc, de ton point de vue, est-ce que c'est l'un des plus grands défis que nous voyons sur Internet? Dans quel sens FGI doit aller pour répondre à ses besoins? Merci, merci d'être avec vous aujourd'hui, ce soir. Ce qui m'inspire aussi, ce sont différentes choses, différents éléments qui apparaissent dans les interventions des autres. Je voudrais dire que ça me plaît cette ouverture d'esprit du secrétaire général en ce qui concerne cette coopération numérique. Toutes les tables rondes concernant la feuille de route étaient très pratiques, étaient très ouvertes aussi. Et cette approche liée sur la multitude de parties prenantes est vraiment cruciale si nous voulons vraiment encourager à cette coopération numérique multilatérale. Nous considérons que ce FGI est vraiment un forum démocratique qui a un très grand rôle à jouer pour encourager ces échanges concernant la politique et la façon de coopérer pour que l'Internet, le réseau, demeure ouvert, demeure sûr et qu'il soit aussi réactif, responsif. De mon point de vue, mais aussi de la perspective des équipes qui s'occupent des droits de l'homme en ce qui concerne les défis pour cette coopération globale. Donc, le plus grand défi, c'est que l'Internet n'est plus une nouveauté, il n'a plus de valeur ajoutée. Nous apprécions bien sûr son importance, mais beaucoup de choses sont considérées comme garanties, comme normales. Et ça ne devrait pas être le cas parce que c'est la gestion ou la gérance de l'Internet ne va pas aller dans ce sens de la libre expression, la libre collaboration. Pour que ça soit possible, il faut travailler vraiment dur. Cette année, ceci est particulièrement important parce que cette fragmentation est un phénomène qui est de plus en plus présent. Et certains gouvernements font beaucoup pour affaiblir les plateformes chiffrées pour assurer une plus grande localisation des services. Il y a aussi beaucoup d'autres forces centrifuges qui quand même constituent une menace pour l'ouverture de l'Internet. Donc, cette feuille de route du secrétaire général est un bon axe parce que cela permet de voir que cette coopération est aussi offline et online. Et ici, il y a aussi cet élément important qui consiste à dire que nous devons prêter une attention particulière au respect des droits de l'homme. C'est notre base, c'est notre fondement vraiment majeur qui nous permet de promouvoir ce qui est le plus important dans le monde et aussi pour limiter ce qui est le moins bon dans le monde. Je voudrais vous rappeler l'article 19 de la Convention sur la libre expression
Sur la sécurité de l'expression, moi, je travaille avec beaucoup d'entités. Je passe beaucoup d'heures en travaillant de façon très pratique pour défendre les droits, pour respecter les droits. J'espère que les efforts de toujours croissants, constitueront une contribution en ces efforts. Mais croyons que cette coopération globale cette année et dans les années à venir dépend aussi de ce processus transparent qui va tenir compte de différentes parties prenantes. Le FGI peut jouer un rôle important pour que ça puisse se réaliser. Merci Miranda. Je pense que c'est très bien que ce que tu as rappelé, donc le fait que nous ne devons pas prendre pour garantie tout ce qui est lié à l'Internet. D'ailleurs, je me rappelle mon ancien chef qui était le juge de la Cour suprême aussi, au commissaire pour les droits de l'homme. Il soulignait souvent que ce qui s'oppose à la liberté, ce n'est pas l'état de droit, ce qui s'oppose à la liberté, c'est la tyrannie. Faute d'état de droit, la tyrannie risque de gagner finalement. Donc, pour maintenir ce caractère inclusif, hein, cette caractéristique de l'Internet, il faut que tout ce qui concerne le droit de l'homme, cela nécessite vraiment l'état de droit, le respect de droit. Et je pense que nous sommes seulement au début de ce chemin pour comprendre mieux ceci. Mais tout cela doit aussi nécessiter aussi des actions en aval. Je voudrais donc maintenant revenir à son Excellence Sultan Al-Olama. La première idée pour cette coopération globale, c'était de créer un organe qui pourrait faire partie de FGI pour augmenter la possibilité de répondre. Alors, comment cet organe pourrait contribuer à cette coopération globale? Merci de m'avoir la possibilité de reprendre la parole. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et je voudrais ajouter un élément important, FGI, le FGI et tout ce que nous incluons dans la feuille de route. Parfois, nous avons cette tendance à avoir une pensée assez générique. Nous avons un plan et nous espérons que tout le monde va comprendre dans quel sens nous voulons aller. Mais comme le ministre Singer a proposé, comme il a dit, parfois il faut vraiment prêter attention sur les choses, les points très particuliers. Donc, les défis que nous avons qui sont devant nous pour 20, 30 ans, ce ne sont pas les défis linéaires, ce sont les défis qui vont apparaître ici et là. C'est la question de la création de politiques ici et là dans différents pays. À mon avis, ce que nous devons faire, c'est avant tout de ne pas regarder la feuille de route de façon homogène en ce qui concerne les capacités techniques. Il y a certaines variables qui nous permettent d'évaluer qui est plus avancé, qui est moins avancé. Mais si nous regardons les citoyens, et si nous regardons les politiques existantes et comment ces politiques sont adoptées, cela nous permet de mener une discussion plus ouverte concernant cette thématique. Il me semble aussi qu'il faut vraiment faire une pression pour créer des infrastructures techniques plus globales. Nous savons que le secteur privé, les sociétés comme Google, par exemple, parlent de certaines solutions ou technologies pour garantir l'Internet, mais ce n'est pas uniquement ça la question. Il faut aussi avoir une autre approche à l'égard des infrastructures pour ne pas attendre le secteur privé. Parfois, ce sont les gouvernements et les organisations non gouvernementales qui doivent agir, qui doivent reprendre le relais. Je pense ici à ces infrastructures de base qui permettraient à tout le monde de devenir composante de ce nouveau monde. Merci.
nos admirons ce leadership que vous nous montrez ici. Je voudrais revenir en ministre Sénèque de la Sierra Leone. Excellence, comment vous voyez le fonctionnement de FGI pour combler la fracture? Je pense que ici tout revient au partenariat. Je sais que bien souvent on critique ce type de conférences, rencontres, forums, parce que apparemment ce type de rencontres n'aboutissent pas à de livrables bien tangibles. Mais il me semble que depuis que nous avons commencé à coopérer avec le secrétaire général l'été dernier pour les technologies numériques, on voit que ces partenariats sont de plus en plus étroits. Je me souviens, il y a 5 mois, on a eu un échange qui a finalement permis d'organiser quelques rencontres bilatérales avec la Sierra Leone. Et maintenant, il y a une coopération bien concrète, bien tangible, qui se réalise et qui nous permet d'atteindre les livrables, les objectifs bien concrets. Donc, ce n'est pas théorique, mais il y a des rencontres avec le ministre des Infrastructures. Ce sont des choses qui se passent un peu à la marge des rencontres que nous avons. Nous avons aussi la coopération avec l'UNICEF. Il y a aussi d'autres actions qui seront annoncées, lancées bientôt. Tout cela concerne les questions numériques. Donc, il me semble que s'il y a de bonnes personnes, des personnes bien placées qui doivent bien sûr discuter, être autour de la table, donc les personnes qui sont vraiment professionnelles, qui connaissent la technologie, ceux qui peuvent décider, parce qu'il faut aussi que le décideur comprenne en quoi consiste le problème. Donc, ce lien entre les problèmes et la compréhension des technologies, la compréhension des opportunités qui existent, tout cela pourra être un levier dont nous avons besoin pour finalement pouvoir profiter du réseau des Nations Unies et de cette mondialisation, de la numérisation et de tout ce que l'Internet nous apporte. Donc, à mon avis, cela, en fait, revient à de bons partenariats. Il faut tout simplement montrer, présenter, voilà, que si nous avons de bonnes choses ensemble, de bons projets, nous pouvons leur donner corps. Bien sûr, il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées, ça ne peut pas rester uniquement théorique, il faut qu'elles puissent faire preuve. Il faut les tester, donc il faut faire des projets pilotes pour voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut corriger, après faire ce type de choses. Et éventuellement, partager les idées avec le reste du monde. Donc, je pense qu'il y a pas mal de bonnes idées, de projets pilotes, qui finalement ne sont pas utilisés ailleurs. Donc, un bon partenariat, une certaine humilité, et voilà, cette volonté à partager les bonnes idées. Merci. Merci. Oui, il faut être très généreux. C'est la générosité et le partenariat qui sont des choses critiques dans cette situation. Maintenant, je voudrais parler un peu de la communication et du financement. Et maintenant, revenons à Lisa. Peux-tu nous dire quelles autres sources de financement devrait-on prendre en compte en tant que le IGF? Eh bien, merci pour cette question. Il me semble que la question même est très importante et ce que j'aime bien à propos de cette question, c'est que c'est comme un cercle vicieux un peu ou un cercle d'intime. Par exemple, nous nous réunissons tous autour d'une table, toutes les parties intéressées se réunissent et parlent de ce qui les intéresse. Il est important qu'aussi la société civile y participe et les entreprises technologiques y participent. Il faut que les thèmes soient y abordés ensemble, qu'ils soient tous inspirés mutuellement. Et ainsi vont apprécier la valeur de se joindre à l'IGF. Le soutien
de l'IGF est basé sur la participation et sur les participants. Encore une chose très importante de mon point de vue, c'est que l'IGF ne devrait pas être quelque chose qui se passe juste une fois par an, se réunit une fois par an. Il faut un débat qui se déroule entre nos réunions qui ont lieu une fois par an. Il faut que nos membres se réunissent aussi entre nos réunions, peut-être sur des forums différents où ce débat pourrait se dérouler. Nos membres sont engagés dans d'autres forums qui sont, selon nous, très importants du point de vue de la continuité de cette discussion, de ce débat. Si nous nous basons sur le débat déjà existant au niveau global, international, national, régional, si nous attirons au débat toutes les parties prenantes intéressées, ainsi nous resterons attractifs et nous obtiendrons ce soutien qui est indispensable pour que notre organisation fleurisse et se développe. Il est important que ce ne soit pas un débat ponctuel, mais ce doit être un débat continu ici au sein de l'IGF, mais aussi se répandre ailleurs. Dans d'autres pays, à d'autres pays et avoir une dimension plus locale. Merci Lisa. Ces deux points concernant la création de ce cercle d'amis, oui, pour qu'on puisse voir nos activités, que l'IGF ne devrait pas se limiter seulement à une discussion ponctuelle qui a lieu seulement un an. Oui, c'est important. Il ne s'agit pas d'organiser plus de réunions, mais il s'agit d'avoir plus de dialogue et de réseautage. Maintenant, je vais me tourner vers Joseph et en lui demandant quelles autres méthodes ou recommandations politiques voudrais-tu voir à l'issue de ce débat? Eh bien, il me semble que il est crucial d'apercevoir la valeur du forum et du débat même qui se déroule. Il ne faut pas sous-estimer la valeur de ce débat parce que ce débat est très important, ce débat en tant que tel, donc en parlant de plusieurs méthodes de création de résultats, on ne peut pas perdre de vue le fait de débattre, la nécessité de débattre. Si le débat est organisé, c'est déjà et accessible, c'est déjà une bonne chose. Nous n'avons pas beaucoup d'opportunités ou d'occasions de parler, d'avoir un débat. Donc, il faut peut-être au sein de l'IGF créer des forums qui seraient moins discursifs. Par exemple, on pourrait imaginer en se concentrant sur le débat, justement, créer un programme pilote, y consacrer certains fonds financiers, peut-être financiers de nouvelles recherches qui auraient un lien à ce débat. Je ne pense pas que ce soit particulièrement difficile, mais il faudrait tout de même voir quels résultats seraient intéressants pour nos parties prenantes. Qu'on veut localiser ou trouver de nouvelles formes de réseau, nous nous en occupons, donc je pense toujours, ou à quelle forme serait-on intéressé. J'ai déjà quelques idées là-dessus, mais je pense qu'il faudrait en parler et régir des règles spécifiques. Par exemple, disons que nous nous attendons à des changements dans la création de nouveaux modèles de business. Eh bien, il faudrait adapter tout cela à la situation, en parler un peu plus après. Peut-être j'ai dit un peu trop. Bon, merci Joseph. Je pense que tu soulignes beaucoup la valeur de notre forum IGF en tant que forum de débat. C'est quelque chose de très important qui a une grande valeur. Mais il faut aussi faire attention à ne pas départager le débat de la production de résultats. Il faut faire le lien de l'un à l'autre. Et je pense que les résultats ne sont pas en contradiction à la discussion, au débat continu au sein de l'IGF. Olga, maintenant, je voudrais te donner la parole. À part la création d'une entité de haut niveau, comment
l'IGF pourrait-il augmenter son impact et sa présence dans les forums de haut niveau? Une très bonne question. L'IGF gère tellement de questions tellement importantes, tellement intéressantes. Nous avons déjà développé beaucoup de forums, mais toujours nous avons un grand potentiel. Il y a une lacune concernant le monde académique, mais aussi celui qui concerne les activités globales et régionales, mais qui ne se réfère pas directement à ce dont nous nous occupons. Par exemple, en ce qui concerne une entité de haut niveau, eh bien, je pense que cet organe de haut niveau pourrait trouver une méthode pour trouver un contenu approprié pour qu'entre les réunions de l'IGF, il y ait des actions pour que ce ne soit pas un débat ponctuel. Donc, ce groupe de haut niveau pourrait être en contact avec d'autres mesures ou initiatives qui se déroulent au niveau national ou international, avoir sa contribution ou avoir un partenariat avec les experts. Je pense que la distance n'a pas d'importance. L'exemple, c'est notre réunion d'aujourd'hui. L'école virtuelle fonctionne. Nous avons plus de 500 étudiants et des experts du monde entier qui sont en ligne. Nous pouvons puiser de leur expérience. Profitons-en, profitons de ce que nous avons appris grâce à la pandémie. C'est que la participation est possible. Donc, profitons de cette situation. Échangeant l'expérience de l'IGF, il faut les incruster dans d'autres idées, dans les idées qui sont développées au niveau local, gouvernemental, national. Merci beaucoup. Merci, Olga. Il est bien de se rappeler ce qu'est l'IGF, qu'est-il devenu grâce à ses activités. La dernière question à Miranda. Quel type de résultats voudrais-tu voir à l'issue de nos débats au sein de l'IGF? Oui, c'est une question très large. Il me semble que de mon point de vue, ce qui est très utile, ce serait de transférer cette discussion. L'objectif est à ce que les parties prenantes à un budget limité soient entendues davantage. Et l'IGF doit aussi se réunir de façon locale en dehors de l'Europe, dans des endroits différents en dehors de l'Europe. Ça doit être un processus actif de prise en compte de la valeur des initiatives telles que, par exemple, Global Network Initiative. De mon point de vue, ça s'est très bien développé et c'est une ressource très enrichissante pour plusieurs membres. Donc, je ne sous-estime en aucun cas la valeur de notre forum, mais je pense aussi comment l'on pourrait concevoir ce processus d'échange d'expériences multilatérales. Je pense que la meilleure façon de mettre fin à cette souveraineté de l'Internet qui est en train de se développer maintenant, c'est de donner aux gens la chance de voir comment construire le potentiel qu'ils ont, comment puiser de leurs ressources, comment mener ce débat pour que l'IGF ait un plus grand potentiel, pour qu'il devienne un centre d'échange. Nous apprécions le fait que certains gouvernements sont fortement intéressés à soutenir les activités de l'IGF. Tout ce que fait le secrétaire général et sa feuille de route nous montre la même chose, qu'il y a du soutien de leur part. Nous voulons faire partie d'un contexte plus large. Il y a une telle intention aussi d'inclure d'autres agendas de l'ONU, de l'OCDE. Mais je voudrais aussi revenir à ce qui a été dit par Joseph, rajouter quelque chose à ses commentaires, parce que je voudrais demander à tout le monde, qu'est-ce qui va arriver si l'on adapte
les outils de l'IGF, si l'on essaye d'être plus flexible, si l'on sera capable de concentrer l'attention des parties prenantes à ce qu'ils puissent résoudre leurs problèmes avec l'utilisation de nos outils. Donc, que pouvons-nous faire? Quelles expériences peuvent être faites maintenant, aujourd'hui, pour que dans ce temps exceptionnel de COVID, l'on crée une vraie valeur? Ici, je me réfère aussi aux réglementations, aux législations. Oui, c'est juste des commentaires que je fais. Oui, Miranda, beaucoup de remarques très intéressantes sur l'utilisation de technologies pour formaliser certaines choses. Eh bien, ça, c'est bien d'expérimenter, bien sûr, et soutenir l'approche multilatérale. J'espère que l'on aura du succès dans ce domaine. Je voudrais maintenant remercier tous nos participants ayant déjà pris la parole. Je pense que ce débat était très enrichissant. Par là même, nous terminons cette partie de notre réunion. Maintenant, je donne la parole à Rudolf Gridl, qui est le co-animateur de la session d'aujourd'hui. Et maintenant, il va se concentrer sur les questions clés dont nous avons parlé. Je te donne la parole. Oui, merci Fabricio. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos intervenants et tous nos participants. C'est un honneur pour moi d'être le co-modérateur de cette session d'experts. Nous avons déjà eu un débat très intéressant sur comment continuer à avancer sur notre chemin de la gouvernance de l'Internet. Avec un grand plaisir, je vais continuer le débat avec nos experts. La première question, eh bien, je vais la poser à Son Excellence Thomas Schneider, ambassadeur qui représente le Bureau fédéral suisse de la communication. Thomas, la question est la suivante. Eh bien, à partir de ton expérience, comment peut-on gérer cet objectif qui vise à accélérer notre coopération? Comment organiser des groupes différents de parties prenantes pour qu'ils travaillent mieux ensemble? Merci, Rudolf. Je ne sais pas si vous m'entendez. Malheureusement, il n'y a pas de relais de l'anglais. Pas de relais de l'anglais. Malheureusement, voilà, le relais est revenu. Donc, nous sommes préparés pour faire face à cette situation, mais nous avons à notre disposition aussi des solutions qui nous permettent de résoudre cela. Il y a, entre autres, le risque de manque de réalisation au niveau des forums de prise de décision. C'est pour cela que nous avons besoin de liens forts entre les entités concernés, entre les débats qui se déroulent au niveau des experts comme l'IGF et entre décideurs, y compris les décideurs de plus haut niveau. La feuille de route de l'ONU
mais aussi les documents qui ont été préparés, entre autres, par les Émirats arabes unis et par l'Allemagne. Grâce à ces documents, je pense que ça deviendra une réalité. Alors, il est très important de renforcer les réseaux politiques et les activités dont j'ai déjà parlé, entre autres, en prenant en compte les aspects politiques importants, tels que, par exemple, l'auto-identification numérique, le comblement des lacunes numériques et la gestion des changements de climat, avec le lien et avec, en contact avec le niveau le plus élevé des politiques. Il faut être présent sur plusieurs forums grâce à leur engagement et être aussi en contact avec les organes de haut niveau. Tout ceci pour réagir rapidement dans le cadre de l'IGF et à travers le renforcement du sentiment que c'est nous qui sommes responsables de ce que fait l'IGF. Il y a aussi ce chemin parlementaire. Nous avons donc cette direction rotatoire. Et aussi, il faut renforcer l'importance de notre secrétariat et son financement pour qu'il noue des relations de façon plus efficace avec d'autres initiatives alors que les actions sont entreprises. Le financement est très important. S'il manque de financement, il n'y aura pas de réunion parce que même il n'y aura pas de réunion virtuelle. Il faut qu'il y ait des contacts entre les observatoires et l'IGF pour offrir des informations de haute qualité et la construction des compétences telles que la plateforme Internet Genève et d'autres solutions liées à la gouvernance de l'Internet dont on a parlé. On peut aussi améliorer les éléments d'inclusivité en donnant la voix aux citoyens ordinaires, en renforçant le dialogue entre citoyens. Donc, nous avons besoin de l'introduction de ces règles et nous comptons à ce que l'IGF jouera un rôle très important dans ce processus, dans ce réseautage entre les entités qui ont un impact sur la politique de haut niveau pour qu'on puisse trouver les réponses. Merci. Pour la... merci, Thomas, pour cette... pour ces idées qui sont vraiment très réalisables, qui conviennent parfaitement à ce qui a été dit. Différentes idées ont été testées. Il y a le dialogue européen concernant la gouvernance de l'Internet. Cela veut dire que je peux maintenant m'adresser au secrétaire général pour le dialogue des Nations Unies et au niveau de l'Union européenne, où il y a aussi beaucoup de connaissances. Et Sandra, donc les sujets que Thomas a abordés concernant les choses à réaliser, qu'est-ce que nous pouvons dire de façon concrète pour qu'on puisse vraiment avoir plus de résultats, plus de livrables? Donc, quelles sont tes expériences? Qu'est-ce que nous pouvons faire sur ce point? Bonsoir, bonjour, je vous salue tous depuis Lipsk. Merci de m'avoir invité. Je voudrais reformuler ta question, peut-être réorienter un peu. Je voudrais dire ce que nous pourrions dire pour que les résultats de FGI soient significatifs pour les décideurs. En tant qu'organisateur d'un forum régional qui a déjà préparé beaucoup de bons résultats, je voudrais qu'il puisse avoir un impact plus concret sur la réalité. Je voudrais savoir ce que nous pourrions faire. Alors, qu'est-ce qui pourrait être un effet, le résultat d'une discussion menée avec beaucoup de parties prenantes? Nous parlons ici de documents qui ont été aussi discutés pendant d'autres rencontres ou sessions et qui sont aussi connus, par exemple, par les coalitions dynamiques. Tout cela, ce sont de bonnes initiatives, de bons résultats. Il y avait aussi des efforts faits pour préparer la méthodologie, y compris des étapes très variées auxquelles ont participé différentes parties prenantes. Nous savons que tout cela, bon, ils sont forts, mais ils sont aussi faibles. Hein. Ça dépend de la perspective dont on le regarde. Ils sont forts parce que
Les questions de fond sont liées au fait que nous avons beaucoup de parties prenantes, mais elles peuvent être aussi faibles parce que beaucoup de personnes, beaucoup de groupes ne sont pas capables parfois de se mettre d'accord. Mais parfois, les groupes sont d'accord pour dire nous ne sommes pas d'accord. C'est aussi la façon de communiquer parce que cela permet de poursuivre la discussion. Je me demande aussi ce qu'on pourrait prévoir, anticiper dans le cadre des documents. On peut avoir des déclarations, on peut avoir des résolutions, mais ils vont se concentrer uniquement sur un seul aspect, ils ne vont pas se référer au mandat global de FGI. La chose suivante, c'est que ce que les gens peuvent obtenir grâce à FGI, je pense que ces choses-là ne sont pas toujours estimées suffisamment. Qu'est-ce que nous pouvons atteindre dans le terme, en termes de base technique? Est-ce que les implications sont bien comprises? Voilà, quel sera l'impact de cette loi concrète? Il faut aussi que la communauté comprenne aussi les limitations, par exemple, qui concernent la création de la loi. Il y a des différences entre la loi, le code, etc. Ensuite, il y a aussi le débat global mené au niveau de la société. Nous avons besoin de ce type de débat pour parler de risques, de menaces, des opportunités pour créer cet avenir numérique de demain. Sinon, on risque aussi d'avoir la défragmentation de nos réseaux. Après, il y a aussi la question de la transcription de messages, de vidéos, de différentes choses. Nous avons des très grands repositoires de connaissances, beaucoup de personnes, personnes des académiciens, par exemple, les utilisent dans leurs recherches. Après, il y a un point suivant concernant l'engagement des jeunes. Je pense que le programme pour les jeunes figure toujours dans nos agendas, mais il y a beaucoup de jeunes qui commencent à être actifs, mais après, ils peuvent devenir des experts de haut niveau. Donc, il y a aussi les FGI au niveau local, régional. Ça peut être aussi un livrable très tangible de travail. Donc, en 2019, il y avait 120 initiatives qui étaient localisées sur les 5 continents de la Terre. Cela montre qu'il y a un fort besoin pour cela partout dans le monde. Donc, tout cela se fait avec parfois très peu de ressources qui sont utilisées avec beaucoup de volontaires. Nous devons aussi avoir de bonnes fondations pour pouvoir créer quelque chose dans l'avenir. Maintenant, nous pouvons donc poser la question pour FGI+. Donc, qu'est-ce que ces éléments constitutifs apportent? Bien sûr, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de résultats que je viens d'énommer ne peuvent pas toujours être mesurables. Mais en tant qu'organisateur de FGI locaux, on se demande toujours qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça soit plus visible et plus significatif. Donc, tout d'abord, je pense que nous pouvons améliorer la communication de ce que nous créons pour par exemple, comme nous faisons sur les choses climatiques ou autres. En même temps, cela permet de lancer des actions qui parfois ne sont pas très connues du large public. Nous avons aussi différents outils, différentes solutions. Et puis, il y a une autre question qui est liée à la compréhension de nos communiqués, de nos messages. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Lorsqu'on crée des compétences, lorsqu'on construit le potentiel, c'est significatif, mais il faut le dire. Pourquoi c'est tellement important? Donc, il faut parler de ces rôles. Après, le troisième point, c'est que nous devons combler ou diminuer au moins la fracture qui existe au niveau des décideurs. Donc, nous voulons impliquer le parlementaire. Il faut que ce groupe de personnes aussi s'engage dans le FGI. Nous pouvons les aider, bien sûr, à établir les contacts pour qu'ils puissent partager leurs expériences. Ils disent qu'ils sont prêts à s'engager, comme c'était dit mardi. Et notre rôle, c'est de le guider par ces processus parfois bien complexes. Je ne vais pas t'interrompre, mais quand même, nous devons regarder le montre. Voilà, je termine. Je voudrais faire le point pour dire ce qui est le plus urgent. Donc, ce qui doit être fait au niveau de FGI, au niveau des initiatives locales. Donc, nous devons améliorer la communication pour que nos résultats soient bien compris. Merci. Merci, Sandra, pour tes remarques, pour tout ce que tu viens de dire. Et maintenant,
Je voudrais m'adresser à Monsieur Karba, qui va nous parler de la structure ICT, qui va nous parler des investissements qui soutiennent le partenariat en dans le Proche-Orient et en Afrique aussi. Il est aussi membre du Conseil de télécommunications et c'est aussi quelqu'un qui, au sein de ITU, joue un rôle important. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans les télécommunications. Donc, je voudrais vous poser la question, vu votre expérience, vu vos connaissances, lorsque vous regardez la situation d'aujourd'hui, est-ce que vous avez des idées que vous pourriez partager avec nous qui pourraient se référer à l'inclusion? Donc, à quelque chose qui est tellement important pour le développement de l'Internet et de la gouvernance. Donc, on est vraiment prête à écouter votre expérience. Merci, merci Rudolph. Bonsoir, bonjour tout le monde. Je vous parle de Dubaï. Je suis vraiment très heureux de pouvoir participer à cette session très importante. L'objectif de cette session est de renforcer l'implication des parties prenantes, comme Rudolph nous a dit. Et aussi, un autre objectif, c'est de permettre la participation d'un nombre plus grand de gens sur la plateforme FGI. Comme cela a été dit, ce qui est important pour la plateforme numérique, nous savons que maintenant nous sommes vraiment à un moment décisif, critique, notamment lorsque nous parlons des différentes solutions qui pourraient être appliquées pour pouvoir répondre à différentes attentes, besoins qui sont apparus. Nous devons donc agir tous ensemble pour garantir que ce soit possible de travailler ensemble, d'assurer une coopération et pour que nous puissions vraiment être en ligne avec les objectifs du développement durable pour que nous puissions aussi utiliser les aspects positifs de la révolution numérique. Le document présente de façon très claire que ce qu'il faut, c'est là où il faut faire mieux et inclure les pays en voie de développement. Donc ici, l'inclusion était définie comme l'un des défis majeurs, aussi l'un des piliers majeurs pour renforcer la coopération, notamment dans l'espace numérique. Et chers amis, nous tous, nous voulons qu'il y ait ce partage de communication, le partage de connaissances, d'expériences, mais il faut que ça soit fait à pied d'égalité pour nous aider les uns des autres. Et comme pour les compétences, il est aussi important de prendre les décisions aussi de façon tout à fait consciente. Tout cela nous permet d'avoir des discussions vraiment raisonnables, aussi de généraliser les meilleurs modèles pour pouvoir transmettre ces possibilités à un nombre plus grand de pays. Nous devons donc prendre en compte les avantages économiques. Et dans ce sens, FGI informe ceux qui ont la capacité de créer la politique dans le secteur public et privé. Compte tenu du fait que les plateformes qui est utilisée par le FGI, aussi en utilisant les opportunités qui nous sont données, il est tout à fait possible de s'engager dans cette coopération numérique menée au niveau global. Nous le voyons aussi dans la perspective de différentes parties prenantes qui sont parfois sous-estimées. Donc, nous devons viser une meilleure augmentation, une meilleure implication de différentes parties prenantes. Ici, c'est la question d'adhérence, d'appartenance qui est aussi très importante. Et je dois dire que la préparation pour le FGI, il faut permettre dans nos priorités de permettre un dialogue raisonnable, mais aussi il faut que ce dialogue soit significatif pour les pays développés et pour les pays en voie de développement. L'un des sujets est de se concentrer sur cette économie numérique durable qui est liée aux pays développés, aux pays en voie de développement. Moi, je termine, mais je voudrais dire qu'il est impossible aussi de parler des acteurs nationaux de ICT et aussi des opérateurs nationaux pour que cette thématique soit discutée sur le plus haut niveau de FGI. Cela permettrait aussi d'augmenter l'importance de FGI pour ses parties prenantes et aussi pour les régions ou pays qu'ils représentent. Comme ça, il faut que notre gouvernance soit vraiment focalisée sur les objectifs.
Il ne faut laisser quiconque, il ne faut laisser quiconque sur la marche. Il faut que les parties prenantes dans le pays en voie de développement souhaitent vraiment coopérer pour pouvoir faire des progrès en ce qui concerne les solutions globales. Vu le fait que l'Internet maintenant passe par l'étape d'évolution, par des changements vraiment fondamentaux, donc il faut que tous les États visent cette inclusivité. Le FGI a un grand rôle à jouer pour assurer un soutien à tous ces pays pour vraiment pour qu'il soit possible d'adopter les changements dont nous parlons. Merci. Merci à l'expert suivant que nous avons ici. C'est la personne qui est l'un de mes trois partenaires, donc Madame Lynn Saint-Amour. Depuis des années, elle est présidente de l'association Internet. Elle était autrefois mon boss, mon chef. Elle est aussi chef de Internet Matters et nous parlons avec elle tout ce qui concerne le finance. Donc le financement de FGI et aussi la communication. Donc compte tenu de ton expérience, quelles seraient tes idées qu'on pourrait appliquer dans ce domaine qui a été déjà mentionné à plusieurs reprises ce soir? Merci Rodolphe. L'un des avantages pour participer à de la participation dans ce processus, c'est qu'on peut être chef. Par exemple, je peux être ton chef, toi. Je voudrais maintenant passer au point suivant. Donc, différents commentaires ont été présentés. Et maintenant, on est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour montrer l'attractivité de FGI. FGI se penche sur différentes thématiques dès le début d'ailleurs, depuis son apparition. Donc, il y avait certaines idées qui étaient vraiment à la base. On a eu différentes idées comment faire, avec qui, les partenariats sont très importants pour ce que nous faisons. Mais il y a aussi une autre question qui est liée aux finances. Il faut donc assurer de bons financements. Nous avons bien sûr des effets très positifs. Ces effets peuvent être renforcés, améliorés. Et cela est aussi lié à la façon dont ces effets sont communiqués, agrégés, après mis à disposition. Mais pour cela, il faut avoir des moyens financiers qui permettraient de réaliser ces objectifs. Moi, je l'ai dit aussi avant, donc FGI nous donne un grand soutien vraiment pour un nombre petit de pays, aussi à certaines sociétés du secteur privé. En quelque sorte, pour l'instant, ce dialogue très fort n'est pas tout à fait estimé. Il y a des problèmes qui sont liés à certaines nuances. Nous avons des différences géographiques, sociales, autres. Il y a parfois des problèmes pour comprendre différents sujets vu le contexte. Donc, ça prend énormément de temps pour assurer une bonne compréhension, aussi pour déterminer les éléments cruciaux, les éléments clés, pardon. Donc, peut-être il faut aussi avoir en tête cette mission publique, il faut avoir toujours en tête cette mission à laquelle participait FGI, mais il faut aussi résoudre les problèmes de financement. Il y a certains éléments qu'il faut résoudre. Nous avons au sein de FGI le groupe de travail qui est en charge du financement. Nous sommes un peu limités parce que nous sommes sous le guide des Nations Unies. Il y a donc certaines limitations. Mais je voudrais qu'on passe par cela. La transparence aide. La transparence est nécessaire. Nous pouvons aussi définir bien le cadre. Et nous pouvons aussi nous baser sur différents projets qui aussi peuvent être financés avec des moyens supplémentaires pour pouvoir les utiliser à différents moments. Tous ces éléments font que plus de financement, plus d'effets sont générés. Il est important donc pour trouver une méthode pour pouvoir le faire sans pourtant porter atteinte aux principes des Nations Unies
et aussi tout en garantissant leur bonne mise en pratique dans différents domaines. C'est la question de transparence qui est très importante. Le Forum national économique dispose aussi de certains éléments qui pourraient être adoptés par FGI et a aussi l'expérience qui pourrait nous être utile pour avoir plus de financement. Je sais que nous avons très peu de temps, donc maintenant je m'arrête. Mais le problème numéro un, c'est sans les ressources et les financements, tout cela commence donc par ce que nous devons faire. Donc nous devons être mon porte-parole de FGI, augmenter la participation et la conscience des effets de notre travail pour que ce processus soit encore mieux visible. Et je pense que les Nations Unies peuvent jouer un rôle très important là-dessus. Nous pouvons attendre cela en prenant en compte aussi le leadership au niveau des Nations Unies. J'espère avoir été suffisamment concrète et que c'était utile à ce que je viens de dire. Merci. Merci, Lynn. Oui, c'était utile, c'est vrai, c'était très substantiel. Et maintenant, je voudrais savoir quelle est la perspective du... donc voilà, Monsieur Radoslav Kenja, donc le vice-président de Huawei dans les pays nordiques et en Europe centrale. Donc, en tant que représentant du secteur privé, vous êtes quelqu'un qui, à qui je voudrais poser la question, quelle est votre politique concernant... l'engagement à un haut niveau, donc pour avoir vraiment les participants de haut niveau, pour qu'on puisse avoir une bonne portée. Quelle est votre approche sur ce point? Merci. Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment très impressionnée par d'autres personnes qui ont déjà pris la parole, par deux idées qui ont été présentées ici. Les questions qui ont été posées sont vraiment très pertinentes. Je pense qu'on devrait commencer par quelques éléments. Donc, j'ai pris quelques notes ici pour vraiment avoir une approche plus systémique. Donc, tout d'abord, la pandémie a accéléré la transformation numérique transrégionale. Elle nous a rappelé qu'il y a ce besoin de coopération pour aboutir à l'effet lié à la technologie et aussi pour que ça soit vraiment, pour qu'elle soit inclusive et durable pour les citoyens. Nous voulons partager notre engagement et nos résultats pour aboutir à cette égalité, l'inclusion, pour créer un meilleur monde et aussi pour que ça soit bon aussi bien pour l'organisation que pour chaque famille. Les technologies numériques ont créé une nouvelle ère de communication et liberté d'information. Je pense que vous avez peut-être vu, on a déjà parlé de mobile, on n'a pas parlé de laptop, mais on a parlé de mobile. Maintenant, en situation de la pandémie, la communication mobile joue un rôle de plus en plus important dans notre vie de tous les jours, dans notre travail. La digitalisation est devenue une tendance globale, mondiale, qui peut apporter des changements vraiment énormes dans la vie quotidienne et dans l'économie. C'est pourquoi il est important et il est nécessaire qu'on fasse des efforts communs ensemble avec les parties prenantes en ayant des standards qui soient applicables pour tout le monde. À un certain moment, les États-Unis étaient le leader en ce qui concerne les technologies, étaient aussi l'élément qui était le levier pour les innovations technologiques. Mais ces années sont déjà révolues. La coopération numérique dans différentes régions et aussi la concurrence qui apporte différentes opportunités maintenant est beaucoup plus importante qu'avant. Nous vivons dans un monde beaucoup plus uni et de façon beaucoup plus transfrontalière ou supranationale. Donc, si on agissait différemment, certains acteurs seraient exclus. Nous ne pouvons pas le permettre parce que les autres, comme ça, seraient
Serait défavorisé aussi. Donc, il est important aussi d'avoir ce écosystème inclusif en visant la réalisation des objectifs du développement durable. Donc, nous travaillons ensemble et nous apportons les bénéfices à chaque maison, à chaque foyer, mais aussi à chaque structure, chaque organisation, en utilisant les opportunités apportées par la technologie, tout en atténuant les risques, pour que la réalisation des objectifs jusqu'à 2030 soit possible. Huawei est prête à aider les sociétés, les partenaires partout dans le monde pour utiliser la force apportée par les technologies, les innovations. Nous nous réjouissons de la coopération menée avec toutes les parties prenantes. Et bien sûr, nous voulons lutter contre l'exclusion dans le monde. Mes prédécesseurs ont parlé aussi de différence entre les marchés développés et les marchés en voie de développement. Je considère que c'est là très important de l'avoir bien en tête parce qu'il y a des manières très variées pour regarder le processus de digitalisation, numérisation dans différentes parties du monde, mais cela veut dire que nous devons être ensemble et nous devons aussi les utiliser ensemble tout en gardant notre perspective. Je pense que ça, c'est une des opportunités pour FGI. Donc, le FGI doit donc jouer ce rôle important qui est lié à cette approche globale et à l'inclusion de tout le monde pour vraiment relever le défi pour avoir cette perspective multilatérale. Je voudrais aussi dire qu'en écoutant les prédécesseurs, je dois dire que cette coopération numérique et l'architecture sont devenues très complexes et aussi, mais pas nécessairement efficaces. Donc, les processus globaux, parfois, ne sont pas suffisamment inclusifs. Cette situation s'est exacerbée faute de standards globaux et conjoints, donc, ce qui fait que cela est particulièrement difficile pour les petites et moyennes entreprises et pour les pays en voie de développement, aussi pour des personnes ou groupes défavorisés qui disposent de finances pas suffisantes et qui n'ont pas de connaissances suffisantes. Donc, en cette époque difficile, nous sommes aussi tous témoins du fait que la possibilité de communiquer avec tout le monde sans nécessairement être face à face avec quelqu'un, cela est devenu un élément de notre vie quotidienne. Donc, que ce soit au sein de FGI ou l'éducation, la médecine, cette communication est devenue une nouvelle norme. Et nous avons besoin de standards pour faciliter tout cela, pour que l'organisation puisse s'adapter à une certaine base technologique qui permettra à tout le monde d'utiliser les technologies de façon uniforme. Mes prédécesseurs ont parlé de la gouvernance, mais la gouvernance ne doit pas nécessairement être équivalente à des limitations. Il s'agit plutôt des règles, des standards qu'on pourrait établir. C'est la question des certifications des différentes technologies, ou bien ça peut être aussi un ensemble de recommandations pour savoir comment préparer les technologies dans tel ou autre domaine. Que nous parlions de domaines géographiques, éducatifs ou autres. Donc, l'idée étant de les utiliser de la même manière. Voilà, je voulais terminer. Merci. Merci beaucoup. Et excusez-moi de vous interrompre. Je dois aussi s'excuser devant les intervenants suivants parce que je voudrais les prier de raccourcir leur intervention. Henriette. Henriette, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc meilleurs vœux. Elle gère les questions liées à la gestion de l'Internet depuis longtemps. Elle est l'une des expertes les plus chevronnées en ce qui concerne la région africaine, notamment. Ma question est la suivante. Du point de vue de la communauté qui est complexe, que penses-tu de ces nouvelles idées sur le groupe de haut niveau qui devrait aussi participer à la plateforme de l'IGF? Comment tu le vois? Merci. Rudolf.
juste brièvement quelques mots avant de me référer à la question sur l'organe de haut niveau. Juste quelques mots sur la coopération numérique, parce que ce n'est pas un processus facile et il faut en tenir compte, surtout pour ce qui est de l'étendue de la coopération. Ça, c'est un facteur très important. L'Internet et les technologies numériques, ça n'existe pas dans un monde parallèle. Donc, les défis auxquels il faut se référer, ce ne sont pas seulement les défis numériques. Il s'agit de coopération non seulement avec les gens dans le domaine numérique, mais aussi ailleurs. Donc, c'est un phénomène complexe. Deuxièmement, la qualité de la coopération. Je pense que nous savons déjà maintenant, en ayant cette expérience de 20 ans de travail sur ce processus consacré à la recherche, nous savons qu'il n'est pas facile de nouer des partenariats. Nous avons déjà entendu parler que l'implication des parties prenantes ne consiste pas seulement à rassembler les gens autour d'une table. Ça exige vraiment aller au-delà des différences d'intérêts pour nouer des partenariats signifiants. Troisièmement, encore une question. Eh bien, il s'agit de l'inclusion. Nous avons tendance à utiliser cette notion de façon très large, mais comment, par exemple, cibler cette notion pour le discours de la haine, par exemple, le hate speech? Comment faciliter la coopération des gens qui luttent contre le hate speech? Et ensuite, comment maintenir la coopération? Ça exige un potentiel institutionnel et du temps, beaucoup de temps. Maintenant, en se référant à l'organe de haut niveau, je pense que l'IGF décidément devrait évoluer et je suis d'accord avec cela. Il me semble qu'une meilleure coopération avec nos leaders, c'est quelque chose qui doit se faire décidément. L'IGF est un forum qui peut nous aider dans tout cela. Mais il faut aussi savoir que l'IGF doit aussi être en contact avec d'autres groupes avec lesquels nous n'avons pas suffisamment coopéré jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les communautés en tant que telles, les communautés qui sont concernées par les sujets dont on parle et pourtant ils n'ont jamais participé à nos débats, ils n'ont jamais participé à nos réunions. Et le deuxième groupe, ce sont tous ceux qui appliquent les solutions, les petites entreprises, ceux qui créent l'infrastructure sur le terrain, localement, ces technocrates locaux. Ce sont les gens qui devraient aussi travailler avec l'IGF. Et je pense que si l'on investit dans ce nouvel organe de haut niveau, il faut s'engager dans cet organe de façon à augmenter la crédibilité de l'IGF, mais non pas de manière à impacter la force de base de l'IGF, c'est-à-dire sa nature d'initiative d'en bas. Il faut toujours en même temps investir dans cette initiative d'en bas, en investissant en même temps dans de bonnes relations avec nos leaders. Merci. Merci. Je pense que c'est un point très important. Maintenant, je voudrais passer directement à l'intervenant suivant, Dr. Daniela Brunstrup, je travaille avec elle, donc elle représente la République fédérale allemande. Elle est responsable de la télécommunication et des politiques de télécommunication et tous les processus qui prennent en compte beaucoup de parties prenantes. Donc, Daniela, nous devons ici nous concentrer sur cet aspect de travail d'en bas et le travail avec des parties prenantes d'autre part. Nous voulons des résultats applicables, réels, réalistes. Et donc, quelle est ton approche par rapport à ces défis? Merci pour cette question. Eh bien, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je suis ravie qu'on peut se réunir au moins de manière virtuelle pour se voir à l'écran. En revenant à la question, eh bien, je voudrais me référer à ce qu'a dit Fabrizio. En même temps, il disait que on aurait besoin de recommandations politiques, mais ceci ne signifie pas qu'on n'aurait pas besoin de débats. Au contraire, de bonnes recommandations politiques sont basées sur le débat. Et je pense que cet IGF+,
devrait rester un organe de débat. Deuxièmement, l'on a aussi dit que l'on devait se concentrer sur les recommandations, les résultats qui nous aident à changer le monde de manière réelle. De mon point de vue, nous avons déjà fait un pas en avant les dernières années. Je vous rappelle le communiqué de Genève, de Paris, et il faut suivre ce chemin-là. Nos appels doivent en fait être plus concentrés sur les objectifs, sur les mesures concrètes. Il me semble qu'il y a un grand besoin pour qu'on soit concentrés ensemble sur les affaires numériques. Mais pour cela, il faut y avoir un leadership fort. Ce groupe de haut niveau peut décider aussi de ce que fait l'IGF aussi. Je parle ici du comité exécutif. Alors, l'on pourrait aussi se concentrer sur les activités d'organisation. Ce groupe de haut niveau serait limité en termes de nombre de participants et serait plus efficace. Il représenterait toutes les parties intéressées, se concentrerait sur les résultats. Et donc, cette suggestion se référerait aussi à la création d'un groupe de haut niveau qui a été mentionné dans la feuille de route. Ce groupe ne serait pas un groupe de prise de décision, mais ce serait un groupe de soutien en ce qui concerne la prise de décision par les décideurs. Selon moi, un tel groupe devrait être lié au groupe de conseil et avec l'IGF, ça doit être aussi un groupe qui serait entre l'intermédiaire entre l'IGF et les décideurs. L'année dernière à Berlin, nous avons fait tout de notre mieux pour s'assurer que les résultats de l'IGF allaient être traduits vers des processus politiques concrets. Je pense que nous avons réussi à le faire. Lors de la session des parlementaires hier, je pense que cette session était vraiment très fructueuse. Il faut suivre ce chemin. Merci. Maintenant, à la fin, nous avons le représentant de la société civile du Brésil, Bruna Santos, en se référant à ce qu'a dit Daniela, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire des nouvelles idées que nous venons de mentionner? Merci Rodolphe, c'est pour moi un grand honneur de participer à cette session avec tellement d'experts. Alors, au nom des organisations locales telles que la nôtre, eh bien, je voudrais dire que pour nous, c'est une grande chance que de pouvoir s'adresser à ce forum en ce qui concerne les stratégies globales. Nous avons participé activement dans le processus de coopération numérique et nous sommes très impliqués dans le processus de l'application de la feuille de route. Et dans ce processus, toutes les parties prenantes luttent pour un accès plus juste, équitable à l'Internet. C'est de cela qu'on a besoin dans le contexte de l'avenir meilleur. Nous soutenons beaucoup la discussion qui se déroule sur le forum de l'IGF en ce qui concerne l'Options Paper et le groupe de conseil MAG. Maintenant, en ce qui concerne l'extension de la mission de l'IGF, nous sommes d'accord. Eh bien, selon nous, il faut agir en tenant compte d'un spectre plus large de résultats. Alors, nous appelons à s'engager, nous nous engageons nous-mêmes et nous voyons une grande nécessité de nouer des liens plus étroits entre l'IGF et le secrétariat pour que ce forum soit plus visible, pour que la coordination avec les autres projets de l'ONU soit plus efficace. Alors, tout ceci doit aussi être basé et ancré dans le dialogue tenant compte de toutes les parties prenantes. Il faut aussi tenir compte des structures déjà existantes, optimiser les procédures de flux de documents,
améliorer les processus tels que la création de coalitions ou d'organes régionaux de l'IGF qui élaboreraient des résultats locaux. Et aussi le chemin parlementaire dont on a déjà parlé. Oui, on voudrait avoir une meilleure communication en ce qui concerne les résultats finaux et leur communication aux parlements locaux. À la fin, je voudrais dire que le processus ne devrait pas doubler les organes de conseil déjà existants, parce que le rôle du groupe MAG est de représenter un éventail de parties prenantes. Par contre, l'IGF devrait être inclusif, durable et exprimer les opinions et les besoins de plusieurs parties prenantes, comme ça a été déjà fait pendant les 15 dernières années. Nous avons déjà dépassé de 5 minutes notre cadre temporel. Donc maintenant, je voudrais donner la parole à Fabrizio et remercier de toutes les interventions. Merci, Rudolf. J'ai écouté ce débat avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Beaucoup de questions importantes ont été soulevées lors de ce débat. Brièvement, je vais m'exprimer très brièvement, mais je dois dire quelque chose, même si nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps. Vous pouvez donc être un peu impatient, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée très importante, non, vu le débat, mais parce que c'est l'anniversaire d'Henrietta. Je pense que comme nous sommes tous fans d'Henrietta, je ne sais pas, peut-être, j'espère qu'on ne va pas l'effrayer en essayant de chanter joyeux anniversaire. Mais bon, tout de même, c'est sûr que nous lui souhaitons une bonne année et un bon anniversaire. Je voudrais donc inviter les panélistes à s'exprimer en quelques secondes. Quelles mesures voudrait-il voir qui seraient appliquées à l'issue du débat dans le cadre de l'IGF, l'IGF+. Malheureusement, le sultan a dû nous quitter. Donc, commençons par le ministre Senga. Comme je suis ministre, qui est chargée aussi de l'éducation, pour moi, les choses sont claires. Eh bien, je vais soutenir tout ce que fait l'ONU en ce qui concerne les ressources numériques, le domaine public numérique. Et ici, mon engagement sera le même. Notre gouvernement se concentre aussi sur la possibilité de l'utilisation des technologies que nous pouvons partager, aussi du point de vue du développement de notre pays. Ces ressources doivent être ouvertes et doivent être appliquées au profit de notre pays, de Sierra Leone. Ce qui est important, c'est aussi le développement du potentiel humain, donc la santé et l'éducation. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Maintenant, Elisa. Merci. Je pense que ce dialogue nous montre à quel point le débat est-il important, le débat sur l'avenir global de la coopération numérique. Ce panel nous a montré un grand engagement. Nous avons beaucoup de points en commun, en fait. Tout d'abord, nous avons parlé de l'inclusion, de la définition des différences pour chacune des parties prenantes. Je pense que c'est très important, mais ce qui est à la base, selon moi, c'est que notre implication en ce qui concerne l'Internet et la coopération multilatérale, ça existe déjà. Nous considérons qu'il est important de soutenir tout le monde. Le dialogue, c'est la base. Cette année nous a montré très clairement à quel point il est important d'avoir un Internet résistant, fort, quel rôle il joue dans notre vie. Donc, nous allons agir, continuer à agir ensemble en tant que communauté internationale au profit d'un Internet ouvert à tout le monde. Nous allons continuer ce dialogue non seulement avec l'IGF, mais aussi avec SIDIC, IURDIC, aussi au niveau national. Donc, nous soutenons le dialogue. Merci.
Merci de votre contribution au dialogue, Joseph. Au sein de l'Internet Society, nous sommes impliqués dans le travail pour la communauté. Nous avons nos agences dans plus de 120 pays. Récemment, par exemple, nous avons ouvert une agence en Bosnie et Herzégovine. À travers notre fondation, nous faisons tout pour financer les initiatives qui visent à renforcer l'Internet pour qu'il soit plus inclusif. Nous le faisons en appliquant des projets de tout genre. Vous pouvez vérifier d'ailleurs cela sur notre site Internet. Par exemple, s'il concerne le cryptage, la coalition globale pour le cryptage, par exemple. Donc, nous avons un grand potentiel et des ressources considérables, des experts qui peuvent beaucoup aider pour que cela fonctionne comme il faut. Pour augmenter l'accès à l'Internet, bien sûr. Merci, Joseph. Et maintenant, nous apprécions vraiment tout ce que votre organisation fait. Et maintenant, je donne la parole à Olga. Merci. Je pense que voilà, nous vivons dans le temps difficile, les économies souffrent, la technologie donc prendra de plus en plus d'importance, notamment dans les pays en voie de développement, surtout dans le sud. Et ce grand réseau qui est le nôtre, hein, de milliers d'experts qui représentent différentes parties prenantes, j'espère que ce réseau, puisque c'est ça le FGI, c'est que ça va rester comme ça et que ça va rester comme ça dans l'avenir maintenant. Voilà le dernier mot maintenant. Merci. Et merci tout le monde. Donc, faire en sorte que cet Internet soit libre, ouvert, sans fragmentation, c'est la clé d'importance. Chez Facebook, nous avons pris cet engagement d'assurer l'Internet sûr qui crée un environnement favorable pour la liberté, l'économie libre et aussi la libre expression. L'Internet qui va unir le monde qui va coopérer mieux. Et j'espère que chaque jour, nous pourrons atteindre cet objectif, c'est très bon message à la fin. Je voudrais maintenant revenir à tout le début, donc M. Al-Hashimi. C'est vraiment pour dire le dernier mot pendant cette session. Je vais vous dire au revoir dans un instant. Mais j'attends ce travail conjoint pour que cette vision dont nous avons parlé, pour que ça puisse prendre corps, Mrana. Donc, merci. Merci tout le monde, tous les intervenants pour cette discussion riche. Nous avons dépassé le temps, donc nous vous remercions pour votre patience. Je sais que pour quelques-uns parmi vous, c'est déjà la troisième. Il fait déjà 3h ou 4h du matin, mais il me semble que c'est un pas vraiment important vers cette nouvelle discussion. La discussion en fait a démarré à Genève, à Tunis. On l'a démarré en 2016-17 et maintenant nous pouvons bien sûr poursuivre sous votre leadership de sous-secrétaire général aussi. Donc, ce qui me reste à dire, c'est de vous encourager tous à nous rejoindre pour travailler tous ensemble dans le sens de ce message du secrétaire Respect and Protect. Ça doit être normalement la première étape sur ce chemin vers l'avenir numérique dont on pourra tous être fiers. Je profite de cette occasion pour remercier tous les organisateurs, co-organisateurs de cette session. Je voudrais remercier aussi Rodolphe d'avoir animé la session et aussi Fabricio, bien sûr. Je remercie aussi tous les participants pour leur participation active. Je voudrais aussi vous donner un petit devoir à faire à la maison, parce que si nous voulons travailler pour soutenir le travail de FGI et aussi la coopération numérique, chacun dans son coin, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait faire
séparément, chaque pays séparément. Donc, on compte sur vous, on compte que vous soyez une partie de cette mission dans l'avenir. Donc, voilà, à la prochaine fois. J'espère vous voir sur Internet un jour. Je vous remercie.